Et je vais vous donner faim pendant cette première partie parce que bah, je vais devoir dès maintenant ouvrir mon... Alors j'ai pris poulet rôti mayonnaise, hein, l'un de mes préférés, ça par contre, ça ne trompe pas. C'est parti, c'est fou. Franchement, si on m'avait dit un jour que j'allais faire ça durant un live, je n'y aurais pas cru. Et en plus de ça, on m'a dit que derrière, à la fin, je peux donner le défi à d'autres streamers, youtubeurs et aussi pour gagner des subs. Donc c'est trop cool, tu vois, ils ont même pensé au fait qu'on fasse manger les copains en jeu de mots. Donc on est parti, vous voyez ici la map, vous pouvez aussi la jouer chez vous, hein, on va vous la faire tourner, on va vous mettre le code dans la description de la vidéo et tout. Dona One N Challenge. Ça a été fait par Nox, hein, c'est la famille, hein, tout ça pour vous dire que voilà, on met les meilleurs sur le terrain. Je vous montre un petit peu le code, mais vous pouvez le voir tout au long de la séquence. Et on est parti. Alors à partir du moment où je fais lancer la partie ou à la fin du compteur des 20 secondes, je n'ai plus le droit d'utiliser mes deux mains en même temps. Donc je vais essayer de pas le manger. Je dis bien je vais essayer, j'ai la dalle, j'ai rien mangé de la journée. Je préfère le dire direct et ça tombe très bien. Donc voilà, petite hop. Je joue le jeu, je joue le jeu. Mec, c'est pour gagner des sommes, me jugez pas. Dites-vous que je suis de base gaucher, mais forcément c'est ma main droite qui est sur la souris. Donc du coup va falloir être malin. Après, soit je bloque ma main droite pour l'instant et on va voir, on va voir. On improvise. Tant que je n'utilise qu'une main à la fois, ils m'ont dit que c'était bon. Donc je peux faire ce que je veux si je veux switch comme ça, prendre la souris, tac tac. Mais faut voir la gueule des épreuves. Donc j'ai le sandwich entre les mains, le jeu démarre et à partir de maintenant, à chaque fois que... Oui, ça va pas être évident. C'est des bâtards quand même. À chaque fois qu'on réussit une question ou une épreuve technique, 5 subs en plus offerts sur le chat à la fin de la séquence. Donc voilà, détruisez les 4 sandwichs dissimulés dans le décor suivant et avancez. Je joue le jeu, hein. Donc là, tac. Alors, je change de main pour prendre ma souris. Après, ils ont pas pensé aux petites mimettes, hein. Les petites mimettes sur le clavier, hop. Donc là, je prends, vous voyez bien, hein, j'ai toujours qu'une main. Et donc là, je dois trouver 4 sandwichs à détruire. Donc là, je crois que ça doit être ça, forcément. Donc au moins, vous avez vu à quoi ça y ressemble. Alors, attends, je bloque déjà là, vraiment. Pour l'instant, il n'y a pas de temps imparti. Donc pas de pression. Déjà, vérifions les armoires. Rien, côté gauche, à droite, derrière. Et vous êtes archi déter le chat. Vraiment, à droite, derrière le mur. Oh, bien vu. Mais vous êtes archi déter, ça fait plaisir. Alors, est-ce que je peux avancer encore, vu que j'en ai tué un deuxième? Non. Ah, donc là, il en manque deux. À gauche, mais attends, mais c'est pas possible, vous avez déjà fait la map. Ah, bien vu. Je sais pas si c'est celui-là que vous parliez. Ok, est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Et vous voyez que là-bas, il y a marqué 1, 2, 3, 4, c'est les questions. Les gars, on est encore un sandwich et ça fera déjà 5 subs dans la cagnotte grâce à Dona. Hein. C'est dit, hein. Et la tête d'homme qui vont payer les subs. Parce que voilà, j'ai pas l'air d'un con quand même. J'ai envie de lâcher un croc en plus. En haut à gauche. Bah ouais, la mezzanine, j'avoue. Table, chaise. Alors, il y a ce truc-là qui ressemble un peu. Eh, vous êtes bouillant la vie de ma mère. Pouvez-vous déjà vous applaudir? 5 subs de plus dans la cagnotte. Mais attention, question. Combien de sandwichs triangles peux-tu trouver au maximum? Alors, maximum, écrit bizarrement, dans un paquet Dona. Moi, je dirais 3, parce que je connais que les, tu sais, les XXL, là. Enfin, moi j'avoue que j'ai mangé que ça dans ma jeunesse. J'ai pris que des XXL comme ça, donc je connais pas d'autres formats. Si, je connais les petits, peut-être par 2, mais Dona, j'avoue, j'ai toujours pris par 3. Max est égal XXL. Ouais, voilà, c'est pour ça aussi. Vu qu'ils ont mis les 2 X en majuscule, me disent, ils ont peut-être voulu faire un clin d'œil à XXL, tu vois. 3, oui. Pour l'instant, on a toujours eu bon. Les Rey. Je crois qu'on a une heure pour faire la map de ce qu'on m'a dit. Donc j'ai jusqu'à 19h10. Parce qu'on a, lancé un petit peu plus tard. Donc go pas bégayer s'il vous plaît. Go pas bégayer. Go gagner des subs là par contre. Là je rigole plus, hein. Donc ça peut pas être 2. Ça peut être que 4. Ça peut que être 4 gros. 3 je sais que ça existe. Donc ça peut que être 4. Vous êtes des nazes. Vous l'aviez pas. C'était 4. Bande de nazes. Bon je l'avais pas non plus. Mais c'est toujours mieux quand c'est de votre faute. Ok, 10 subs déjà de validés. Je vous rappelle qu'on a une heure pour aller le plus loin possible. Si on va jusqu'au bout, bah on aura tous les subs. Si on va pas jusqu'au bout, on aura ce qu'on aura validé jusque là. On continue, donc là j'ai l'impression que c'est une épreuve mécanique, classique, un death run. Donc je me mets comme as, je suis prêt à sauter. Tac, tac. Ça va pas être facile. Alors à une main là, vous m'avez quand même, je sais pas pour qui vous m'avez pris les gars. Mais vous êtes trompé peut-être de personne. Alors attendez, est-ce que je trouverais... comment je fais? Quelqu'un a une idée? Ok. Mais passe en dessous! Tout va bien. Ceci est réalisé par un professionnel, hein, bien évidemment. Saute avec ta souris. Oh, t'es un génie, gros! Ah, gros, ils ont pas dit, hein. T'es un génie, gros. On pourra l'applaudir si ça marche, hein. On pourra l'applaudir. Ah, Dona, vous êtes tombé peut-être pas sur le meilleur joueur. Mais au moins, ici, on a un cerveau et ma communauté, surtout un cerveau. Ah, ils l'ont pas vu. Ah, je suis fier de moi, là. Ah, je suis fier de vous. Ok, on tente. Ok, ça saute, c'est bon. Est-ce que c'est un génie? Oh, mais faut mettre ça à couper aussi. Vitesse maximale. Molette vers le bas pour sauter. Alors faut avoir le timing du jump, hein. Faut avoir le timing du jump parce que c'est pas si évident. Je préférais jump à la barre espace quand même, en vrai. Ok. En fait, faudrait que j'arrive très mat. Eh, c'est pas si simple, hein. Parce qu'en fait, je peux pas tourner. Comment vous voulez que je tourne? Ah si, avec avec la souris, oui. Ok. Mais passe en dessous! On est pas loin! Non mais, no joke déjà, je pense qu'on a gagné pas mal de temps avec cette idée-là. Je pense qu'ils nous avaient pas anticipé qu'on fasse ça. Donc tant mieux pour nous. Ok.
Ok. Let's go! Let's go! 5 stuff de plus pour l'ami. Let's go! Quel produit est l'intrus? La pizza, le XXL ou les wraps? Alors ça va être en rapport avec Donna forcément. Le XXL, ça me fait penser à ce que j'ai sous la main. Les wraps, je pense qu'ils en font. De base, je dirais la pizza. Et vous avez l'air d'être d'accord avec moi le chat. La pizza surtout en plus. Je sais pas s'il y a un... Ouais, pizza. Bonne réponse. 5 stuff de plus. Vous avez 19,76 secondes pour réussir cette épreuve. Bah écoute. Bah écoute. T'avais pas pré-shot que... que tout ce qui va être mécanique. Ah. Oh. Oh. Ouais. On a rien vu. Ah, moi ils m'ont pas dit comment hein. Ils m'ont juste dit de la finir. Ah oui merde. Par contre faut relever. Wow wow wow. Oh non non. Wow. Oui parfait. Hein. On y retourne. Ah non c'est bon. Oh les gars. Oh quel bâtard. Ça c'est Nox. Allez chef. Il y avait un truc au milieu. Regardez-le, le petit... Oh, regardez-le, le petit bumper de Nox. Oh, trop mignon, Nox. Oh, monsieur, mais non, mais... Eh, comptez les subs, hein. J'ai plus les subs en tête, mais ça rajoute 5 subs, mon pote. Donna, alors, il y a une faute de frappe, hein, vous le voyez. Donna existe depuis quand? 1970, 1976, 96 ou 2002? Mais comment je suis censé savoir ça? Tout le chat a dit 76 direct. Mais comment vous savez? Regarde sur l'emballage. Oh, t'es pas con, toi. Hein. Il marque genre since tout numéro 1 sur le sandwich depuis... Il y a pas marqué l'année. Je me dis que, dans tous les cas... Oh, il y a déjà des subs qui partent. Il y a déjà des subs qui partent, les amis. Il y a déjà des subs qui partent de la part de Donna. Vous les avez vus partir comme quoi ils payent leurs dettes instantanément. Et c'était la bonne réponse 76. On rajoute 5 subs. Donc pour l'instant, on a fait 3 épreuves, 3 questions. Donc logiquement, on est à 30 subs que Donna va devoir offrir. Toujours one hand challenge. Je peux croquer dedans, juste me donner un peu de force. On a quand même bien lu jusque-là. Je rappelle que j'ai pas mangé. Honnêtement, ça remarque même pas que quelqu'un a croqué. Changement de main. Ok. Pardon. Ça va vous? Ça c'est un bon moment. Eh je vous régale en sub hein. Laissez-moi tranquille. On passe en force mon pote. Nickel. Je suis un monstre. Oh le dieu. Let's go. Mais mec j'ai one shot le truc. Mais mettez-moi des épreuves plus compliquées bordel. Respectez-moi. Qui était monsieur Donna? Alors ça je le sais hein. Bien sûr. Je vais vous laisser jouer quand même par gentillesse. Monsieur Donna. Tout le monde connaît monsieur Donna les gars. Mais à mon avis il doit être... Alors par défaut je dirais boulanger. Parce que forcément il y a peut-être un rapport. Boulanger, sandwich. Non mais les gars juste comme ça. Je dis ça comme ça hein. Ouais, t'es pas boulanger. Un éleveur de lama. Mais non vous trollez les gars. N'oubliez pas qu'il y a 5 subs hein. Le chat. Excusez-moi. Regardez je vous montre ce qui se passe. Il va falloir... Ah d'ailleurs je peux repérer un défaut du fond vert. Même le fond vert je suis en one hand challenge frère. Le problème de ça, si on se trompe, c'est que je vais devoir tout refaire la course. Donc venez on se trompe pas s'il vous plaît. Cycliste, ça a l'air d'être ce qui revient le plus. Regardez, ils se sont mis d'accord. Alors moi j'aurais mis boulanger par défaut, donc heureusement que vous êtes là. Et vous pouvez vous applaudir, c'est une bonne réponse. Et on rajoute une fois de plus, bah 10 subs, l'épreuve plus la question, donc 10 subs en plus. Trouvez et détruisez les 4 cubes de cheddar, puis avancez. Donc ça c'était comme les sandwichs de tout à l'heure. Changement de 1, donc ça, 1, 2... 3, 4. Je me suis dit que c'était quand même très facile pour l'instant. Doit y avoir un trap, doit y avoir un piège. Je suis sûr qu'il l'a mis ici. Non? Connaissant le mec, il y a du trolling. Non, non, donc il est bien là-dedans. Tu vois, ce que je pouvais pas rentrer. Tu vois, c'était ça tout le trap. Heureusement, je connais Nox. Parce que, rappelez-vous, première map, on était coincé. Donc en fait, là, il voulait te faire croire, je pense. Alors peut-être, ah non, peut-être parce que j'en ai cassé quelques-uns que je peux avancer. Est-ce que je vais être bloqué un moment? Non. Donc du coup, ça veut dire que je peux, voilà. En fait, il voulait te faire croire que tu pouvais pas rentrer dans la map. Je suis trop smart, hein. Là, Nox, il doit être trop dépité. Et il voulait te faire croire que tu peux pas rentrer dans la map, donc il fallait chercher comme un mongol. Sauf que du coup, en fait, tu peux aller chercher visuellement. Il doit être caché à un endroit où on pouvait pas la voir de là-bas. Ou alors, non, il y en avait que 4. Ah, je les ai tous eus. Ah, il devait y en avoir 2 dans l'escalator. C'est peut-être pour ça que j'ai dû tirer 2 balles. Bah, excusez-moi alors. Je me suis cru trop intelligent pendant 2 secondes. Vous m'avez vite ramené à la normale. Oh, une question sur moi. Allez, je vous laisse y répondre. Quel est le titre phare de Dogby? Battle Royale. Ouais, il y a une petite faute, il manque le E, mais... Bonne réponse, le chat. Parfois, il faut savoir se jeter à corps perdu et éviter les obstacles pour atteindre ses objectifs. Quelqu'un a une... Ouais. Ouais. On y va juste pour voir. En fait, faut que j'arrive à passer dans... Attends, ça peut pas être si simple que ça. Soit j'ai juste à venir ici. Là, je meurs des 4 chutes, on est d'accord. Ça aurait été trop simple. À corps perdu, je pense qu'en fait tout ça n'est qu'un trap et faut aller dans le noir. Alors après, est-ce que je me prends trop la tête et je préchote trop un Nox vu que c'est lui qui a créé la map forcément. Tu vois, je me dis en fait, le corps perdu, c'est peut-être se jeter dans le... Oh, si c'était ça les gars, j'aurais demandé le respect mais éternel. Oh, j'aurais demandé le respect éternel, donc non. Donc c'est bien dedans. Bumper au centre. Ah. Ah, yes, je viens de le voir. Donc il faut que j'atterrisse dessus. Mais what the fuck. Saute pas, ok. Ok, je jump pas, ça me va.
Vous êtes des boss, le chat. Vous êtes des boss. Ok. Quel est mon prénom? Il y a encore une faute de frappe. Bon, il devait être en nuit blanche, connaissant Nox. Quel est mon prénom, le chat, pour 5 subs de plus? Effectivement, mon prénom est Tarif, si vous ne le saviez pas. Maintenant, c'est bon. Foncez sans hésiter vers votre destin. Tu m'as pris pour qui? Allez, on va déjà faire un petit tour du bateau. M'as pris pour qui, lui? Ah. Bon, on va peut-être foncer, en fait. On va peut-être foncer, juste faire des... Ah, on crame. Je crame. Tranquille. Ça passe. 5 subs pour la mif, s'il n'y a pas un petit piège chelou. 5 subs. Si vous avez rigolé, vous êtes une mauvaise personne. Sachez-le. Parce que moi, je fais ça pour vous, hein. Je tiens à le rappeler. Hein. Je veux juste rappeler des choses. À la base, je joue pour que vous gagnez des subs. Juste si vous pouvez garder ça en mémoire. Bon, tout le monde s'est bien marré, c'est bon. On va pouvoir continuer l'aventure. Merci à tous, hein. Merci d'être là, bien évidemment. Plaisir. J'étais sûr. Tu vois, après les gens disent ouais, tu te prends trop la tête. Mais regarde, quand je me prends pas la tête, y a toujours un petit truc farfelu. Moi, je les connais, ces gars là. Ils se pensent intéressants à faire ça alors qu'il fallait juste faire un petit jump ici. Voilà. Et 5 subs en plus pour la famille. Et on régale. Le premier jeu de Dwagby était League of Legends, Dark Age of Camelot ou World of Warcraft. Bravo, on va se régaler, Dwagby. Ah, merci Donna. Merci Donna qui est sur le chat et qui, en plus, tu vois, eux au moins, c'est eux qui perdent de l'argent, mais ils sont contents parce qu'ils me voient faire des belles choses. Donc, soyez comme Donna un petit peu, au lieu de vous foutre de ma gueule. Wow, il y a vraiment des mecs qui ont dit wow, mais qu'est-ce que vous faites sur ce live? Alors, en vrai, League of Legends, ça a été le premier jeu dans lequel j'ai été compétitif. Donc, en fait, je me dis, est-ce qu'ils ont pas pris cette info? Mais en vrai, de vrai, j'ai joué à Dark Age of Camelot avant League of Legends. Oui, effectivement, je n'ai même moi pas la réponse à ma question. Moi, je dirais, s'ils ont bien suivi mes interviews et tout, je dirais Dark Age of Camelot. Et sinon, bah, c'est League of Legends parce qu'ils ont peut-être pas... Parce que là, la question, c'est le premier jeu de Dwagby était. Donc, mon premier jeu en ligne, ça a été Dark Age of Camelot. J'étais tout petit, hein, mais... League of Legends... Comment ils peuvent le savoir? Vas-y. Oh, ils me connaissent vraiment. Eh, c'est la famille. Donc, on a 50 subs, je crois. Mais ils en ont offert 20 déjà, donc... Mais je reconnais ce logo. Où est le piège? Où est le piège? Attends, mais c'est une scène? Red side, blue side, logo League of Legends. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé là? Moi, je m'assieds ici. Est-ce que c'est un rapport? Il y a rien à faire avec les écrans. D'ailleurs, c'est très bien fait. Encore une fois, gros travail au niveau de la map. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ah, question pour le chat. Avec qui Dwagby joue? Tu vois, comme quoi je me prends quand même beaucoup la tête. Avec qui Dwagby jouait-il sur scène à la PJW 2012? Alors, celle-là, tête de WAM que je vous aide pas. Elle est très dure. Bravo d'y avoir pensé. C'était ma... Mais je crois que c'était ma première scène gaming par Games Week 2012 sur League of Legends. J'avais monté une équipe. Et petite anecdote, ce joueur-là qui nous manque nous avait remplacé. C'est-à-dire qu'on s'était qualifié avec un autre joueur. Mais ce joueur-là ne pouvant pas venir à Paris, parce qu'on n'avait pas l'argent à l'époque, hein. On n'était pas comme les jeunes de Fortnite multimillionnaires à 18 piges. Mais du coup, vu qu'il n'avait pas l'argent pour venir à Paris, on avait dû trouver un jungler, justement, disponible à Paris pour nous aider. Et comme le chat l'indique si bien, effectivement, ce jungler, c'était Narcus. Avant même que, voilà, soit un peu plus connu, etc. Tous les deux. Donc effectivement, belle anecdote, bravo. Bravo Donna, Narcus. Bonne réponse le chat, bravo à vous. Garder l'équilibre, c'est important. Moi je suis désolé, j'enchaîne, hein. J'avoue qu'on pourrait s'arrêter et raconter des anecdotes, mais j'enchaîne parce qu'en fait on a un temps limité. On a une heure pour gagner un maximum d'épreuves pour à chaque fois débloquer des subs. Donc je suis désolé, je focus sur les épreuves avant tout. Est-ce que j'irai pas au talent? Est-ce que j'irai pas comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Non, en one shot ça va être très dur. En one shot, ça va être très dur. Désolé, en plus, je suis en course auto et tout. Oui, désolé, j'étais en course auto. Hein. C'était pour. Je rappelle que j'ai qu'une main au cas où vous avez pas remarqué. J'ai un putain de sandwich dans l'autre. On va y aller doucement. Je suis désolé. J'y vais vraiment comme un enfant de 8 ans, mais c'est pour vous. Ah, par contre, faut pas que je me loupe. Hein. Putain, vous allez me rager si vous allez me revoir faire ça 10 fois. Ok, là, j'y vais doucement. Tranquille, pas de pression. Pourquoi vous stressez? Y a pas besoin de stresser. Tout est sous contrôle. Ils ont appelé le meilleur pour cette épreuve. Tranquille. Tranquille, mec! Tranquille! On contrôle, mon pote! Ouh. Mais après, faut que je rentre dans la porte! C'est-à-dire que tout ça peut ne servir à rien? Stop! Wouh! Ok, bon, où est-ce que je vais? Moi, je dirais middle. Faut aller middle. Faut y aller accroupi. Donnez-moi toutes les astuces. Je refais pas tout ça. S'il vous plaît. Que ça passe instantanément. S'il vous plaît, je demande une chose. C'est que maintenant, ça. Middle, hein. On vise middle. Pourquoi il y en a plein qui disent en bas? Vous voulez que je vise ici, là? Oh, j'ai chaud. Je pense que ça doit être middle. Ça a été réfléchi pour que ce soit middle. Si vous êtes pas sûr de vous, hein. Vas-y, on va devoir faire un test, de toute façon. Je vais viser middle. Je suis désolé pour les autres. Je vais viser middle. Stop. Non, ça le tab! Surtout que la question c'est est-ce que la bonne réponse était middle? On en doute encore là. Ok. Donc, on y est. We are back. Toujours à une main, hein, bien évidemment. Allez, s'il te plaît. Rentre! Mais rentre! Mais c'est frustrant! Je veux utiliser ma deuxième main! C'est trop frustrant! A few moments later. En fait, le problème c'est que je veux trop utiliser la souris pour me remettre dans l'angle. Mais en fait, je dois être sur le clavier souris. Ah!
5 minutes later. Allez, je vais essayer de freiner dans les airs. J'ai besoin de quelques secondes, s'il vous plaît. Allez, on continue. Allez, on rattrape le temps perdu maintenant. On n'a plus le temps. Par convention, d'où vient le sandwich? De mon frigo, du comté de sandwich des Américains. Les Américains? Du comté de sandwich? Les gens disent du comté de sandwich. Les gars, la tête de Wham, que là, si on se trompe, j'arrête tout. Donc prenez le temps qu'il vous faut, mais jamais je refais l'épreuve. Hein. Le comté, s'il vous plaît, dites-moi que vous m'avez pas troll. Oh mon dieu, vous m'avez fait peur. Peu importe ce qui nous arrivera après. Déjà, ça fait déjà 10 subs de plus dans la cagnotte. Mais surtout, je pense que le plus dur est derrière nous. Enfin, j'espère. Voici le code. Allez, on va changer de main un petit peu. Voici le code. A1, B1, C1, C2, C3, D4. Donc déjà, vous voyez qu'il y a des lettres A1, B1. Quelqu'un peut retenir? Vous retenez le chat et je vous suis. Hein, parce que moi, je vais oublier le code. Hein. Allez, on commence par A1. Je vous suis aveuglément. A1, hop. Validé. B1, validé. C'était C1, je crois. Et validé. Et à partir de là, je crois que ça devient chiant. Et là, il nous reste officiellement 13 minutes. Et après, je vais essayer de gratter du temps supplémentaire. Mais officiellement, il nous reste 13 minutes. Mais quelle communauté, vous êtes trop forts. Ils sont choqués, Donna, sur le chat. Ils pensaient pas qu'on allait être aussi solidaires. Donc montrons-leur qu'on ne déconne pas, nous, ici. C3. Allez, j'y vais. Regardez, je vous fais confiance, les amis. Je vous fais confiance. C3. On est sur C3. La suite, s'il vous plaît. D4. Nice. Allez, c'est bien ça. On n'est pas loin. Allez, le chat, s'il vous plaît. C'est important ce qui se passe. D5. Sur. D4, D5. Ok. Après D5, D6, ça skip. Jusqu'à 7. Ok, validé. D6, validé. On est ensemble. E6. Là, je suis D6, hein. Donc E6. Ok, E6. Validé. F6. Ça skip. Donc toujours encore. Validé. Ah, vous êtes bouillant. J'ai envie de montrer un peu, justement, à tout le monde, hein, ce qui se passe. Parce que là, c'est beau de voir ça. Regardez comme ils sont coordonnés. Après F6, les amis. Après F6. G5, on me dit. Ouais. Ok. G5 validé. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5. Allez, le chat. On ne relâche pas. F4, ok. F4, validé. F4, validé. F4, validé. G3, ok. G3, c'est bon. G3, validé. Allez, on est bon là. Là, on est bon. Là, on rattrape le temps qu'on a perdu sur le Death Run là. C'est beau ça. H3, ok. Je perds pas de temps. Moi, je te confonds avec lui maintenant. Il n'y a plus de time. H3, c'est bon. I3, donc toujours encore. Ok. I3 validé, c'est bon. I4, I4 validé. I5, c'est bon. I6, I6 validé. Putain, vous êtes chaud. J6, J6, c'est bon. Il nous en reste plus que 2. K6, K6, c'est bon. K5, K5, c'est bon. Allez, dites-moi L5. Dites-moi L5. Dites-moi L5. Qu'est-ce que vous allez me dire? L5? L4. L4, c'est bon. Du coup, c'est fini là? Je passe direct, il n'y avait plus rien. Fin du code? Fin du code ou pas fin du code? Oui, oui, oui. Allez, go, pas se tromper sur l'info maintenant. Si un XXL poulet crudité pèse 230 grammes, combien en faut-il pour égaler le poids d'un judoka? Mais vous êtes sérieux là? 246. Combien en faut-il? 500, moi j'aurais mis? Moi j'aurais mis 565, hein. Et vous avez l'air d'accord sur le chat. J'ai eu peur. Allez, 10 subs de plus. Il nous reste 7 minutes officiellement. On avait démarré à 19h15 et il est 20h10. Il nous reste 6 minutes. Et ensuite, je vais essayer de gratter peut-être une vingtaine de minutes supplémentaires. On va voir. Là, c'est quoi? C'est juste du jump? Vas-y, on n'a pas le time. Hein. De toute façon, en tous les cas, là, on a checkpoint. Tout va bien. Allez, GG le chat, vous êtes des ouf. Maintenant, c'est à moi de jouer. Tranquille, tranquille. Faites confiance, faites confiance. Ceci est réalisé par un professionnel. Pourquoi lui, il est chelou, là? Allez, les burgers, ça enchaîne. Tranquille. C'est facile, tu vois, ça, c'est tranquille, ça. Tac, sur les yeux. Bam, parfait. Allez, 5 subs de plus. Allez, on enchaîne. Là, on n'a plus le temps, on discute plus. Charolais, qu'est-ce qu'il y a? Combien de burgers Donna, le charolais, faut-il superposer pour arriver à la taille de Dwagby? Je fais 1m85, comme c'est indiqué. Combien de burgers Donna, le charolais, faut-il superposer pour arriver à ma taille? 1m85, donc 185 cm. Donc, si c'est 22... 22, c'est peu, 22. 22, ça me paraît... 22... 22? Vous dites tous 22. Vas-y, je vous fais confiance, on n'a plus le temps, j'ai plus le temps. Je vous hais, bande de nazes. Je vous l'ai dit que 22, ça me paraissait peu. Ça me paraissait peu, j'ai voulu juste faire confiance pour gagner du temps. Bon, ça va, c'est pas l'épreuve la plus dure. Donc c'est combien la réponse? 44, 33? Tu vois là, il y en a plein qui disent 33 et 44, hein. Il y a, vous êtes toujours pas d'accord. 44, vous dites 44. Prochaine fois, je m'écouterai moi-même. Hein. Là, le chat, vous avez pas été bon. Hein. Heureusement que c'est sur cette épreuve. Hein. Je vous l'assure, vous m'auriez fait ça sur le truc du pad là, mais je vous aurais jamais pardonné. Et la bonne réponse était 33, bande de nazes. Allez, 10 subs de plus. J'espère que ça tombera sur ceux qui avaient dit la bonne réponse. Hein. Il y a une boule, il y a moi. Enfin, ça, c'est facile ça. Allez, droite au but sans perdre la boule. Easy ça. Ah, mais à une main, c'est pas si évident. Hein. Pousse avec ton corps. Ah, pas con. Ah oui, putain, oui, à ce point. Oh. Ok. Doucement, doucement, doucement. Non, c'est bon, il y a une barrière. Ok, ok. Mais vous êtes des génies, le chat. Hein. Doucement, doucement, tranquille. Tranquille! Une fois le but marqué, faut sauter sur un des champignons. Tranquille! Bravo à celui qui avait dit qu'il fallait pousser avec son corps. Hein, parce que moi, j'aurais fait le débilos. Laissez-vous aller vers un moment de détente et savourer. Bah alors là, je ne verra pas deux fois. Hein. Ça, j'aime bien. Ça, c'est des bonnes épreuves, ça. Il nous reste une minute. On grade des subs. Une minute. Il me reste une minute, là. Nickel. On a fini! La vie de ma mère, j'ai fini à une minute de la fin! Il est 20h14 sur la tête de ma mère, j'ai fini à une minute de la fin, c'est incroyable! Même pas besoin de temps supplémentaire! Let's go!
je te jure, j'ai fini dans les temps. Je pensais que j'allais tricher. Franchement, j'allais tricher. J'allais demander au moins 15 minutes de plus. On a fini dans les temps, comme quoi je suis pas si naze que ça. Je suis pas si naze que ça. Mais on m'avait beaucoup aidé le chat, donc merci à vous tous. Oh putain, j'ai jamais été aussi content de finir une map créative. Alors, je sais pas combien de subs on a gagné en tout, mais là, Donna va régaler. Hein. Je crois qu'ils ont déjà régalé un petit peu parce qu'il y a déjà eu des subs de partie. Mais là maintenant, faut lâcher la dose. Hein. Là, maintenant, moi, je vais mettre sur cette scène-là, oseille, et je peux enfin manger mon sandwich. Je vais manger mon sandwich et attendre que Donna paye ses dettes. C'est le meilleur moment là de la map. Hein. Merci d'ailleurs à Donna hein, pour la petite idée et tout. C'était vachement cool. Et d'ailleurs, je mets au défi d'autres streamers et d'autres youtubeurs de prendre la map, de la faire. Et je crois qu'il y en a même certains qui pourront gagner des subs. Donc ça vous tente. À une main, bien sûr. Hein. Et oui, sinon c'est pas du jeu. Et ils ont lâché 100 subs. Ils ont lâché 100 subs. Je crois que c'est même plus que ce qui était prévu. 100 subs vient d'être lâché à l'instant. Et vous allez les voir défiler un par un. Forcément, Donna qui lâche 100 subs pour vous régaler. Merci. What the fuck, c'est énorme. Regardez le prix de 100 subs. Regardez juste par curiosité le prix de 100 subs. Vous pouvez dire GG Donna, vous pouvez dire merci Donna. Clairement, ceux qui ont été tirés au sort, même les autres. Soyez contents quand même pour ceux qui ont été tirés au sort. Un jour, ça tombera sur vous. Donc, un grand merci. Et vous voyez leur message, ils viennent de dire oh, vous êtes trop fort, meilleure communauté. Bah, forcément. Ils n'avaient peut-être pas à se concentrer d'autant, tu vois. Ils se sont peut-être dit ils vont le laisser en galère et tout. Ils vont pas tout devoir tout claquer. Ils sont mal tombés. Ici, on est ensemble. Donc, bravo 100 personnes qui ont été tirées au sort et qui remportent leur sub. Ça va vous faire plaisir avant les fêtes de Noël. C'est, voilà, c'est déjà un petit quelque chose. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette map, d'avoir suivi ce petit défi avec moi. Je suis très content. Très content. Ça m'a stressé un peu le moment du. Ah putain, je retrouve mes deux mains là. Oh le plaisir. Non, ça m'a stressé le moment du pad et de la porte. Mais à part ça, franchement, le reste, on a déroulé grâce à vous. Donc bravo. Ils ont lâché 120 subs hein, déjà. Je tiens quand même à le préciser. Et ils viennent de lâcher 80 subs supplémentaires pour arrondir à 200 subs offerts. 200 subs offerts en moins d'une heure. C'est incroyable. 200 subs offerts. Rendez-vous compte. 80 personnes viennent d'être ajoutées à tous les autres. Et vous avez été 200 gagnants sur cette petite map. Donc voilà pourquoi il fallait m'aider. Vous avez compris maintenant? Bravo encore une fois au tir au sort. Un grand merci à Donna qui a cassé la tirelire, clairement. Et j'espère que ça vous a plu de suivre un petit peu cette aventure, ce One End Challenge. La map est disponible. Jouez le jeu, faites-la une main, sinon vraiment elle est pas dure quoi. Donc jouez le jeu si vous voulez la faire. J'invite, comme j'ai dit, mes copains streamers, youtubeurs à la tenter et peut-être aussi recevoir des subs de Donna. On a bien vu, ils sont généreux, ils sont sur le chat, ils suivent un petit peu ce qui se passe. Et bah moi je prends le temps de remercier justement Donna pour cette sympathique opération. Mes équipes aussi qui ont bossé dessus, bah forcément avec Nox qui a fait la map, etc. Et trop bien, c'est qu'un début pour cette soirée, mais un très bon début. Franchement, un très très bon début. Donc GG à tous. Je quitte définitivement cette map créative. Mais moi je l'ai fait le challenge. Moi je l'ai fait. Moi c'est bon. On pourra pas dire je sais pas quoi. Moi je suis allé au bout. Let's go.